habillée pareil, jusqu'au collège, hein, quasiment, même au lycée. Ouais, je vais vous faire bouger. Une maman qui a toujours du mal, encore aujourd'hui, à savoir laquelle est Émilie et laquelle est Lise. Un grand sourire. On change. Ben, j'arrive généralement à les reconnaître, mais il faut quelques secondes quand même. Parce que comme elles ont la même allure, la même, même façon de marcher, c'est pas toujours évident. Au téléphone, je reconnais pas leur voix. Je demande, je me trompe des fois. Mais sinon, en regardant bien, il y a quand même des différences. Elles ont été élevées ensemble. À la crèche, elles étaient ensemble. À l'école, ça a suivi jusqu'au bac et même après les études. Lise et Émilie adorent contrôler leur vie et leur univers dans le moindre détail. Elles ont déjà décidé à quoi devait ressembler leur vie future. On s'imagine bien avec des jumeaux vivant dans une grande ferme au carré. Canapé. Une ferme dont elles ont déjà dessiné le plan. Donc ma chambre serait plutôt ici. Ouais ? Ouais, parce qu'ici je verrais bien le salon. Donc je vais mettre chambre d'Émilie. D'Émilie plus copain. Pour le moment, il s'agit d'un jeu. La réalité, elles le savent, est bien plus compliquée que ça. Elles ont 24 ans et sont toujours célibataires, tout simplement parce qu'elles ne conçoivent pas de vivre des choses l'une sans l'autre. Je crois que jamais j'aimerais un homme plus que j'aime Lise, quoi. Émilie, ouais, elle est à moi, quoi. C'est... Même si elle se marie plus tard, je sais qu'elle m'appartiendra.